Mais attends, Maurice, il est là. Ah, oui, je suis là. Attends, on quitte, c'est mieux, non? Quoi, vous aussi, vous étiez en chaîne de vue? En tout? Ah, non, on est en groupe. Chef, c'est comme vous parlez pas, je pensais que vous étiez en chaîne de vue. Oui, c'est parti aussi. Ah non, moi je suis pas parti, moi j'ai changé mes bugs, une bruge j'entends pas Alan. Pourquoi j'entends pas Alan? Bah je sais pas, le buteur j'entends pas moi. Je sais pas. Oui, ils ont changé la. Ils ont changé la dispositif du disposition et tout. Attends, c'est plus à droite, c'est à gauche. Ouais, à gauche, droite. J'aime pas leur présentation. J'aime pas. Et en fait, là, Mister, pour le. Tu sais, quand je parlais et puis que je t'entendais ni le jeu ni le micro, c'est parce que Streamlabs, quand j'ai fait une mise à jour de Windows, mais c'est à chaque mise à jour, c'est là que j'aurais dû vérifier. En fait, le son, il est. Pas pour des raisons qui. Je sais pourquoi. En fait, il. Streamlabs, c'est comme si il se met en par défaut. Et en par défaut, bah. Quand il met en par défaut, bah. Je suis obligé de mettre moi-même le micro, enfin, c'est un bordel. Ah ok, il en appelle. Allez, finalement, quand il répond pas, c'est qu'il en appelle.
Bon, c'est chez nous Halloween, ouais. On le souhaite pas spécialement, Métis, Halloween. Normalement, c'est on. Normalement, quand on fait Halloween, c'est on dit la bourse ou la vie, mais. Mais là. Qu'est-ce que c'est comme bête à bon Dieu enfin, là, des... Pas de bête à mon Dieu, mais c'est des trucs qui puent là, des punaises. Putain. Tous les soirs j'en suis dans ma chambre. Des punaises. Non, je suis pas venu sur ton live, Métis. Quand tu veux pour pinguer, Bruce. Tac. Si on commence à se connaître, hein, Métis. Hein. T'aimes pas grand chose, hein, Métis. C'est même absolument dit si tu t'aimes toi-même. Est-ce que seulement tu t'aimes toi, Métis? C'est la question. Je t'ai demandé si tu t'aimais toi. Il y a beaucoup de choses que t'aimes pas. Mais est-ce que tu t'aimes toi au moins? C'est une question qui est simple. Vas-y, j'ai pas d'armes, ça me saoule. À moins que ce soit la réponse qui soit. À moins que ce soit la réponse qui soit. Qui soit dure. Yo toi, Imi. Eh bien. En plus, il joue comme lui. Je dis pas n'importe quoi, je t'ai posé une question, Métis. Est-ce que tu t'aimes toi? Oui ou non? C'est quand même pas. C'est quand même pas dur à répondre à la question. À la prochaine. Mais c'est Vink, c'est quand même pas dur à répondre, si. C'est quand même pas compliqué à répondre à la question. Ouais, les puants, ça va ou quoi? Ça va. Ah. Toi, tu donnes encore, mon petit. Je lui ai demandé s'il s'aimait lui. Il me dit qu'il dit n'importe quoi. Ah non? Quoi? Je lui ai demandé s'il s'aimait lui. Oh non, tu me demandes trop là. Il aime jamais rien. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu t'aimes toi? Et il m'a dit ouais, tu dis n'importe quoi, tu... Mais je dis pas n'importe quoi, je pose une question. C'est quand même une question simple, non? Moi je pense que c'est une bonne question quand même. Parce que comme il aime rien alors. Ah oui? Puisqu'il aime jamais rien. Est-ce qu'il s'aime lui seulement? Oui. Parce que tu peux ne rien aimer. C'est ton droit. Mais lui, il aime vraiment, vraiment rien. Puis à un moment donné, tu te poses des questions. Ça craint. Ah bon? Qui craint? Apparemment moi. Oh, qui va aller en un truc de jeu puis
Non, non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas Métis qui ça, c'est Vic. Un gars que je connais même pas. Non, mais c'est pas lui, hein. C'est un. Il me dit, bon, vas-y, bye, reprends juste ta vie en main, frérot, parce que là, ça craint. C'est encore un gamin de 15 ans, ça. Ça craint. Je sais pas si craint, moi. Ça, quand tu dis, déjà quand t'as commencé à m'appeler par frérot, déjà. C'est pas très bon ça. Quand ça m'appelait frérot, déjà. ça craint avec moi, tu dis que ça craint. Je me rappelle sur Mixer, ils parlaient tous quasiment comme ça, et à un moment, j'ai même dit à dire, oh, déjà, t'es gentil, mais on n'est pas frères, déjà. C'est mon pseudo et c'est tout. Les mecs, ils me disaient, ouais, je t'ai pas insulté, je t'ai pas manqué d'aspect, je dis, ouais, mais c'est pas question de ça. C'est question que t'es pas mon frère, et de toute façon, j'ai pas de frère. Gros, tu vois les pièces dorées, là, je te dis, là. Dans mes mains. Ouais. C'est pour une tenue. C'est pour des tenues, puis des équipements. Ah, mais ça chie, ça. Mon coco. Le dernier équipement. Oh la tenue, comment aller. Ah, mais ça chie, ça. Je sais, parce que quand tu fais les. C'est quand tu réussis à faire les énigmes ou ce que tu vois, t'arrives à avoir les. Ou c'est quand tu tues les. Je sais quoi. La tenue elle est trop belle. Mmh. Oh, tu vas le finir avant moi, c'est sûr. Tu vas le finir avant moi, c'est sûr. Il va le finir avant moi. C'est sûr. C'est sûr et certain. De toute façon, comme tous les jeux que tu fais. Hein. Ah, c'était Batama tout en tout comme la prochaine séance, au moins. Bah, moi pour l'instant, j'en ai pas. Moi j'en ai. Une balle, je suis mort. C'est bon, boule. Et demain matin, on va, dans la formation, on va faire un truc, une espèce de chasse au trésor dans la ville où on est. C'est du. T'as pas le nom? Je sais pas trop comment ça marche parce que c'est la première fois que j'en fais. Je sais pas trop comment ça marche. De toute façon, je vais pas faire longtemps moi parce que j'ai demandé à Sandrine de me libérer à 11h. Ça, mon père vient me chercher. Comme ça, mon père vient me chercher. Hop, j'arrive à la maison, je mange. Je m'habille pour l'entretien et puis hop. J'y vais. Star Cravate. Non. Comme déjà là. Le jour où tu verras en cravate. Bon. La cravate, je la mets que si c'est vraiment nécessaire. Dans une école. Même une école, on va dire. Que ce soit privé ou public. Je sais que moi, j'étais dans un lycée article qui était privé. Les profs, j'ai pas souvenir qu'ils étaient en cravate. Hein. Ah, la cravate, faut pas. Non, mais la cravate, faut pas se tromper. La cravate, c'est.
La cravate, t'as des métiers, t'as des jobs où oui, où le port des cravates c'est obligatoire. Et dans les écoles, pas. Je pense pas que les profs, si à part les directeurs qui eux, bon, comme ils sont directeurs, ils doivent être avec une cravate, mais sinon les profs, je vois pas des profs, enfin, surtout en école maternelle, enfin en école primaire. Moi, je sais que les écoles primaires que j'ai fait quand j'étais gamin, les profs étaient pas en cravate, hein. Même le directeur, il était pas en cravate, hein. C'est la cravate, hein, c'est ça a été. À une époque, la cravate c'était obligatoire parce que il fallait bien présenter devant le patron. Aujourd'hui, si t'es propre sur toi, si t'as des vêtements propres sur toi, si comme l'intérieur, je me suis fait couper les cheveux au coiffeur, si tu te déplaces jusqu'au patron, que ce soit pour un emploi ou pour un stage, je pense que ça monte la motive, je pense que ça monte ta motivation. Après le patron, bon, après il peut prendre ça comme il veut. Ben voilà. Ok. Mais bon, c'est. Voilà. En fait, je pense que ce que les patrons ils veulent voir aujourd'hui, c'est la motivation. Je suis habillé. Je pense que les patrons, ce qu'ils veulent voir aujourd'hui, c'est la motivation. Certains patrons, ils voient ta motivation rien que te déplacer et voir. Ça pour eux, c'est une motivation. Ouais, bah oui, il faut se déplacer et aller les voir directement, c'est. Ton diplôme, je n'ai pas d'accord qui s'en fout. Pas ton CV, je n'ai pas d'accord qui s'en fout. Mais bah, j'ai envie de dire, ouais, c'est pas le plus important, quoi. Par contre, quand t'envoies ça par mail, comme ils voient, bah, comme t'es par mail, t'es presque obligé de leur mettre ton CV, ta lettre de motivation. Bah, je veux dire, c'est même presque mieux d'aller voir le patron sans forcément lui donner ton CV. Tu vas juste, pour un stage ou pour un emploi, t'as juste à lui dire, voilà, ce que tu sais faire, ce que t'as fait comme. Tu peux même presque limite lui dire verbalement. Parce que si tu donnes le CV. Parce que moi, par exemple, tu vois mon CV. Par exemple, tu verrais mon CV pour faire un agent administratif. J'ai jamais travaillé là-dedans. C'est la première fois que je vais éventuellement pouvoir faire un stage dans ce domaine-là. Je pense que si tu dis au patron, tu veux. Par exemple, je sais pas, moi, je sais pas ce que tu veux faire, toi, en tout. Mais par exemple, je sais pas, un exemple. Hein. Si tu as fait, je sais pas combien d'années de. Je sais pas, dans la mécanique, par exemple. Et puis que tu veux totalement te reconvertir vers un métier qui n'a rien à voir. Sur ton CV, tu vas mettre tous les trucs que tu as fait en stage ou même un job que tu as fait en mécanique. Par exemple, je sais pas moi, si des mécaniques tu veux passer, je sais pas moi, tu veux être plombier. C'est raison, quoi. Sur ton CV, forcément, tu vas mettre tous les métiers que tu as fait en plomberie. Et comme tu veux te reconvertir, bah après il faut te vendre un patron. Comme moi je vais essayer de faire la main. Faut dire bon bah il faut bien préciser que tu veux te reconvertir. Et voilà, je pense que si tu te. Je pense que demain je vais bien insister sur ça, que je vais me reconvertir. Je pense que voilà, c'est. Parce que moi, tu vois, il y a un mot que j'aime pas, c'est immersion. J'aime pas ce mot-là. Parce que les patrons, quand tu leur dis que c'est l'immersion, ils te regardent bizarrement. Que si tu dis reconversion, je préfère encore ce mot-là, reconversion, parce que reconversion, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. La reconversion, c'est que tu. T'avais un job, mais le job il te plaît pas, pour X raison, et tu veux changer de job. Donc, pour faire ça, pour ce faire, il faut que. On appelle ça de la reconversion. Et je pense que les patrons sont plus comprennent enfin, sont plus j'ai envie de dire sont plus comment ils t'écoutent plus que si tu dis autre chose. Si quand tu vois le patron comme je fais demain, puis que tu lui dis que tu veux faire un stage dans son entreprise, et puis que puis voilà, je pense qu'il faut savoir lui expliquer pourquoi tu veux faire dans son entreprise et pas ailleurs. Comme moi, la fille qui m'a dit au téléphone, la fille elle m'a dit au téléphone la première fois que je l'ai appelée, elle me dit, mais pourquoi vous voulez faire mon stage dans mon école? Tu vois?
au téléphone, j'ai pas suivi. Et t'as répondu quoi? Bah justement. Justement, j'ai pas su lui. J'ai pas su quoi lui dire. Et cet après-midi, justement, cet après-midi, elle m'a justement dit ce qu'il fallait que je dise à cette question. Dire pourquoi je vais faire ça dans son école, dans quel but, etc. Et demain, il va falloir que je réponde à cette question. Mais je vais le répondre, je vais lui répondre à ma manière, tu vois, je vais dire que voilà, c'est. Que je suis en reconversion, que je suis en reconversion professionnelle, que cela ça va permettre après pour suivre une formation qualifiante. Après, il faut employer des mots comme ça, tu vois, il faut employer des mots, des mots, j'ai envie de dire professionnel, Des tu mots vois. Des techniques. mots techniques, tu vois, pour que la patronne. Puis même aussi, il faut se renseigner aussi de l'école, tu vois, il faut se renseigner de l'endroit où tu vas faire ça. J'ai Bah oui. jamais je me suis habitué à faire ça, et bah j'ai fait, tu vois. Par exemple, je sais que l'école, elle a ouvert en 1966, ça fait 57 ans qu'ils sont ouverts. Ça fait 57 ans qu'ils sont là. Tu vois, tout ce genre de choses, tu vois, c'est. Déjà, ça montre, tu vois, comme je sais qu'ils ont 177 élèves, en moyenne en classe, ils sont 16. Enfin, c'est une moyenne, hein, ils sont 16. Bah, il y a certaines classes où ils sont 22, 25, enfin, tu vois. Mais ils sont pas 30, hein. Ils sont pas 30, ils sont beaucoup moins. Bon, ça c'est vraiment avant. À Bah, l'école, et c'est des 30. moi aussi. Moi, à l'époque, on était. Même des fois, on était plus sombre, des fois, on était beaucoup plus. Mais bon, ça c'est. Mais bon, 30, c'est plus dans les grandes villes, 30. Là où je suis à Jauny, c'est. Bon, Jauny, c'est pas pareil, hein, donc, voilà. Donc ils sont à. J'ai vu sur internet, ils sont à 16, 15 par classe. Si je pense que si j'étais à 16 ou à 15, s'il y avait eu moins d'élèves quand moi j'étais en primaire ou après au collège ou au lycée, je pense que s'ils avaient eu moins d'élèves, je pense qu'ils m'auraient peut-être plus aidé pour les problèmes de difficultés que j'avais à l'école. Ils auraient peut-être plus eu le temps de m'aider. C'est un cas 30. C'est vrai qu'à 30, ils ont pas le temps, quoi. À 30, ils te mettent. À 30, la plupart, c'est. Ils te mettent au fond de la salle, et puis voilà, puis. T'y arrives, c'est bien, t'y arrives pas, c'est pareil, quoi. Ils s'en foutaient, quoi. Ils s'en foutaient. Par exemple, on en parlait un peu, ça, j'ai vu ça, et elle me dit, moi. J'en parlais justement à une formatrice tout à l'heure, elle me disait qu'elle, à son époque. Elle, à son époque, il rangeait les élèves, il mettait les élèves dans la classe, selon s'ils étaient bons ou mauvais. Ah Donc, ouais. si t'étais bon, t'étais devant le prof, et si t'étais très mauvais, voire très mauvais, bah t'étais au fond de la classe. Et c'était comme ça que. À son époque, c'était comme ça qu'il faisait. Donc, t'avais plutôt intérêt à être bon, quoi. Et au fond, quoi. Comme moi, j'y étais, hein. Moi j'avais des problèmes niveau. Moi bon, j'avais pas des gros problèmes, mais j'avais quand même des sacrées lacunes à l'école dans plusieurs matières. Au lieu de m'aider, au lieu de m'expliquer, moi ils me mettaient au fond de l'école, au fond de la salle. Au fond de la classe, en me disant, de toute façon, toi, t'es machin, et puis voilà. Donc si t'étais pas débrouillard, si t'étais pas débrouillard, bah tu débrouilles seul, quoi. Bon, ben, je vais pas le prendre. Après, je sais pas comment c'était vous l'école quand vous étiez en primaire, mais. Et moi, c'était un peu ça, quoi. Il fallait te démerder. Si tu avais Ouais. des problèmes en maths, bah. Des problèmes de maths, bah, tu les gardais. Et tu les gardais tout le temps. Moi, je sais que là, actuellement, si tu me demandes de faire une division sur les feuilles, je suis incapable de la faire. Parce que on m'a jamais montré. Moi, une division, je prends un cliquette et puis voilà. Même une multiplication. Une multiplication, la dernière fois, ils ont voulu jauger un peu notre niveau de maths. Quand il a fallu que je pose une multiplication, une simple, hein, même une simple une multiplication. Hein. Quand ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on n'a pas fait de multiplication.
Il faut savoir la poser. Il faut savoir retenir les. Bah. Pareil pour la soissons. De toute façon. Soustraction, c'est pareil. Ah bref. On t'es pas le seul. Ah oui, ça je connais plus, je sais pas si. Comme maintenant, tout se fait à calculette. Quand tu vois que t'es des, t'as des calculs scientifiques, maintenant tu te fais plus chier à te parler de tête, quoi. Moi par exemple, ma mère elle m'avait pris une calculette scientifique qui me sert encore, parce qu'elle elle fonctionne encore. Même sur les téléphones, maintenant, sur le téléphone, maintenant t'as des applications gratuites pour être. Pour que ton téléphone se ressemble à une calculette. Et ouais, c'est une calculette scientifique. Pour calculer le pi, je sais pas quoi, 3,14. Pas dur. Hein. Mais m'écrire maintenant. M'écrire maintenant, il y en a un, il m'avait dit une fois, c'était. Maintenant, limite, il t'envoie par mail les cours. Il te les envoie par mail. Limite, hein. Ouais. Maintenant, ils se font plus chier à écrire sur le cahier. Moi, à mon époque, tous les devoirs qu'on avait, on les écrivait à la main. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, ils te les envoient carrément en mail. Oh, les triceratops sont encore là. Apparemment, ce mon live, il y en a un qui est à moi et moi. Ah ouais? Il a écrit coucou. Oh là là, Maurice. Il a écrit coucou mon joli. Pour un tronc ou un tronc. Ça, c'est parce que peut-être qu'il a pas les. Ça, c'est parce qu'il a pas les yeux en place comme ça. Parce qu'il me dit mon joli. Oh, ça arrive, hein, c'est. C'est mon joli, il me verrait le matin, il me verrait le matin quand je me lève. Quand je me lève. Il n'y a peut-être pas ça. Hein. Même si tu verrais, voilà quoi. Ou c'est elle, je crois. Hein? C'est une Anaïs. J'ai en fait. Ah bon? Ah bah, tu dois pas avoir. Tu dois pas avoir tes deux yeux en fait trop là. Hein. Parce que tu dois en avoir un sur les deux, hein, parce que. Ou qu'il y en a qui disait oh t'es un beau gosse. Ah bon. Ça c'est pareil ça. Je suis un beau gosse moi. Ah bon. Bon. Tu dois plutôt dire merci à la place d'avoir deux casques. Ah bon, est-ce que tu veux que je te dise merci? De quoi? Bah c'est de quoi? Tu dois plutôt dire merci à la place d'avoir deux casques. Ah bon. Alors deux casques, je l'ai déjà expliqué maintes fois, je vais pas le refaire. Alors ça me saoule. Hein? C'est pour le style. Ouais, hein. Le style, ouais. Puis ça fait un peu plus pro. Ça fait un peu plus... Oula. C'est pour le boulot, ça. Eh oh, toi. Oh putain. Voilà. Ça fait un peu plus... Ça fait un peu plus style. Style. Oh mais oh, putain, mais deux ans à charger. Je pense que je dois avoir deux filles. Je pense que je dois avoir deux filles sur mon live. Je pense. Il y en a une qui écrit le shoot est pas là. Et en plus elle a fait marrer. Quoi? Ouais. Ça doit vous moins sa grande gueule. Si c'est comme moi.
Et ça, c'est comme moi quand je réussis à faire un top 1 sur le Fortnite, hein, c'est pas souvent que j'y arrive, hein, mais quand j'y arrive, on me dit c'est parce qu'en face, les mecs, ils étaient nuls. Et bien sûr. T'as eu de la chance. Ouais, c'est c'était un bot. C'est souvent ça, généralement. Une fois, moi, il y en a un, il m'a dit, j'étais content de moi, j'avais fait top 1, le mec qui me dit, ouais, mais c'est normal, t'as eu des bots. C'est ça, comme beau. C'est normal, c'est des bots. D'accord, ouais. Normal. Waouh, tu es quoi? Tu es. Hein? Waouh, tu veux une blague? Oh non. Oh, t'es en forme, Pink? T'es en forme. Oh, pas de la merde. Oh, purée. Bouteille, ah, bon. 1v1 c'est pour les gamins ça, moi je suis pas un gamin. Oh, 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 oh. Ah bah tiens, bah fait avec Pink, tiens. Ah mais je vois faire des 1v1. T'as vu comment sur live? J'ai enfant, oui. Ah bah ça, pour pas te fatiguer ça. Ah oui, ça. C'est normal, t'as pas de shoot. Allez, en forme. Moi, je sais pas si c'est une fille, c'est bien avec ça. C'est normal, j'ai pas de shoot. Non, toi, à droite. Allez, droite. Mais c'est pas avec toi que t'as plein de moyens. Ah oui, non, mais j'ai compris. J'ai compris que c'était avec tu voulais faire du tout avec Anaïs, j'ai compris. J'ai compris. Ok, j'ai compris. Ah bah évidemment, elle dit que j'ai pas de shoot. Ah bah c'est sûr que si tu joues à Warzone, Pink t'es dit, c'est sûr que... Ah bah c'est sûr que Pink t'es dit, si tu joues à Warzone, c'est sûr. C'est sûr. Non bah, non bah tant pis, on va retourner jouer. De toute façon, Warzone, je joue plus de toute façon, là. Warzone... Ouais, Warzone, c'était de la merde. Je fais, ouais, que du... je fais que du match à mort par équipe et puis... au moins le match à mort par équipe... ça me va très bien. Pour ça démonter et gros cul. Ah ouais. C'est pour ça qu'elle dit, je joue à Fortnite aussi. Pour démonter et gros cul. Eh bah si tu démontes les gros culs, tu devrais nous aider à démonter les gros culs. Moi aussi j'ai démonté les gros culs. Ah Pink. Puisque à tes côtés t'es meilleur que nous. Oh putain. Tu devrais nous montrer ton talent. Ah ouais. Ouais non non, non. Je sais. Moi aussi j'ai démonté les gros culs. Ah bah non mais... Non mais toi c'est... Non mais toi. Ouais, c'est pas pareil. Oui, ça c'est démonté, mais dans le sens de. Oui, non. Bah, quoi, c'est bien, c'est bon. Toi, c'est un peu de. Un peu de temps en temps. Enfin, toi, c'est. Toi, c'est dans un autre sens que tu les démontes, toi. Ok, voilà. Ah oui, mais elle se fout vraiment, elle se fout vraiment ma gueule. Hein. Je fais un kill, elle fait waouh, un kill. Hein. Elle est en forme, elle, hein. Elle est en forme. Démonter comment? Comment elle s'appelle, sinon? Je sais pas l'âge que t'as, Anaïs, mais je sais pas l'âge que t'as. Ça, c'est moche, c'est moche, c'est moche en tout, c'est moche. Je sais pas l'âge qu'elle, je sais pas l'âge que t'as, Anaïs, mais... quand t'auras l'âge d'être
Quand tu auras l'âge d'être adulte, tu comprendras ce que c'est autre chose. Que... Enfin, tu comprendras ce que nous les mecs on dit quand on dit démonter. Tu comprendras quand tu seras adulte. Mais comme je suis pas sur ton âge, je vais pas t'expliquer. Ou si, tiens, demande un ping. Ça veut dire quoi démonter? Elle doit savoir, elle. J'ai regardé sa vidéo, j'ai regardé un petit peu ton live, Pink. T'as l'air d'avoir une voix d'adulte. Explique-lui. Ce que c'est de démonter. Plus aimé démonter comment? En sport. Oui, bien sûr. Sport, spécialité de trampoline, non? Ouais, voilà. Ah putain. Si seulement la trampoline pouvait être une activité olympique. Ah bah ça là, je serais riche là. C'est pareil, trampoline, Anaïs, t'es trop petite pour que on t'explique, ou pas d'ailleurs, qu'on t'explique ce que c'est trampoline aussi. Mais demande à Pink, démonter ses ennemis qui tirent sur le groupe, finalement il a pas de shoot, ma poule là, ouais. Attends, tu racontes démonter ses ennemis qui tirent sur Groot tellement il a pas de shoot. Ah bon? Mais hey, Pink, désolé de te contredire, hein, mais quand je suis en forme, moi c'est vrai que là, bon. Mais quand je suis en forme, je fais. Quand je suis en forme, le coucou. Quand je suis en forme, je fais. Jusqu'à 20 kills. Le maximum que j'ai fait, c'est 21 kills et en solo, hein. Et en solo. En solo. Eh oui. Ben, Maurice. Ça va avec là. Le problème c'est que quand je fais des bonnes parties, vous êtes jamais là pour les voir. Vous êtes là que lorsque je fais pas des bonnes parties. Ah forcément. C'est bizarre. Voilà. Maurice. Waouh. Wow, ouais, c'est parce que vous me déconcentrez. Je suis pas à fond de mes capacités. Ça. Je suis pas au max là. Je suis pas au max de mes capacités. C'est le boulot tout ça aussi. Et ouais. En même temps, on peut pas lutter, Pink a fait que du Warzone. Enfin, ce que j'ai vu fait. Forcément. Pour elle qui fait que du Warzone, nous on joue à Fortnite, donc. A pas un bon shoot, comme on dit. Enfin, on sait apparemment. Oui. Non, mais toi aussi, on sait dire shoot, hein. En même temps, en même temps, tu en fais jamais vu que c'est compliqué de voir quand tu en fais des bonnes games. Ah oui, mais t'es en forme là, Pink, hein, t'es en forme. Hein. Je fais des bazoons en ranked et je joue aussi à Fortnite. Allô, mon ange. Mon ange maintenant. Tu me dis quoi, mon ange, mon amour? Tu me dis quoi, t'as dit? Attends, qu'est-ce que ça m'est derrière? Mon quoi? Mon ange, mon amour, je sais plus quoi. Ah, mais là, tu me fais quoi, là, Pink, là? C'est une déclaration d'amour, là, mon ange. Attention, hein, parce que je sais pas ce que t'as, mais. Je sais pas ce que t'as, Pink, hein, mais attention, hein, ça. Ça met ta balle, ce route. Ça peut être interprété comme une déclaration. Si tu dis ce genre de choses à l'autre, elle acceptera peut-être de jouer avec toi. L'autre. Sans dire son pseudo, mais.
Voilà. Le C, c'est ça. Le C, ouais. Si ça se trouve. C'est pas. Ah, le jour où je dirais ces choses-là au C, comme vous l'avez maintenant. Ce jour-là. Déjà, ça m'étonnait que le C, comme tu l'appelles, me dise un jour, vient de son live et me dise un jour ma poule. C'est rien que ça, à mon avis. Je pense pas que ça va arriver un jour, toi. Déjà qu'une fille m'appelle ma poule, déjà. Généralement, ceux qui m'appellent ma poule, c'est les mecs. Ah, ma poule, elle fait quoi? Elle me fait chier. Il n'y a pas beaucoup de filles qui m'appellent ma poule. Hein. Mais mon ange ou mon amour, c'est souvent les mecs. Hein. Entre mecs, d'ailleurs, entre mecs, ça nous arrive de nous appeler ma poule. Nous, les mecs, on peut dire aux filles ma poule. Même si je pense que si on fait ça, on s'en prend une. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais généralement, c'est entre mecs qu'on se dit ma poule. C'est entre mecs. Après, si une fille que tu connais pas, comme je connais pas Pink, qui me dit ma poule, après, ça peut être interprété de plusieurs manières. Hein. Ou alors, elle a flashé sur moi, dit oh, quel beau gosse. Il était chez le coiffeur aujourd'hui, quel beau gosse. Ben, je sais pas. La boule à zéro. Non, je sais pas, la boule à zéro. Pas totalement. Mais tu sais qu'à la formation que je fais, t'as Mohamed qui me dit ah, mais tu vois, les filles, elles vont tomber à tes pieds. Hein. Bah, apparemment. Attends, sur une branche, qu'est-ce que ça compte sur une branche mon bijou. Caliente. Chaud. Ah non, c'est mes pupilles, c'est du pêche. J'aime, ah bon. Attends, ce que je suis en train de passer dans les délires. Anaïs, ce qui. Patin dans les délires. Elle est partie, Pink. Oh merde. Chier. Voilà, elle m'aime plus, les Pink là. Je suis passé bon point, elle m'aime plus. Elle m'a aimé un temps, et puis là, plus de ma poule, plus de. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Hein. Et ma poule, hein. Je suis vraiment déçu. C'est con parce que. Faut peut-être que les filles appellent comme ça maintenant. Ma poule. Peut-être qu'elles apprécieraient. Hein. Elle est pink, elle a servi. Tu crois pas un petit mapoule. Un petit mapoule. Si tu dis ça à ta pote, pour essayer de pas, je pense que c'est là. Si ce week-end, si je vois une fille qui stream, j'ai pu essayer ma poule. Bah, test. Tu verras sa réaction, mais moi je pense qu'elle va pas être bonne. Hein. Je dis à une fille, salut ma poule. Je t'ai essayé de faire des kills. Ah. Tu vas partir, Pink? Oh merde, chier. FM, c'est la cuisine, ma poule. Ah, ça, tu vois? Ça, tu vois, du BI, je sais pas quoi. Ça, à mon avis, tu vois, c'est un mec, ça. Ça, c'est un mec, un vrai, ça, tu vois. Bon, un mec un peu macho, mais c'est un mec, un vrai, tu vois, voilà. La phrase qu'il a dit, je suis pas d'accord, parce que les femmes en cuisine, voilà. Ça, c'est un propos machiste, mais. Mais sinon. Voilà. Oh, mais Pink. Bah si, dire les femmes en cuisine, c'est même pire que du macho, hein, c'est même pire que du machiste. Hein. Oh, ma mère, elle est... Ma mère, elle peut pas... Je peux pas le dire à ma mère parce que là, elle est absente. Elle est absente. Mais t'inquiète, hein, je dirai quand je verrai. Et ça me fait penser... Bah, que de dire que les femmes c'est la cuisine et que c'est macho. Ah, parce oui. Qu'elle m'a dit va dire ça à ta mère que c'est pas ça.
Quand ça commence à parler des mères, déjà c'est. Quand ça commence à parler des mères, déjà. J'ai remarqué un truc surtout, c'est qu'ils adorent parler des mères. Oh, l'homme. Ils adorent parler des mères, là. C'est... Ouais, les mères pas ici, les mères pas là. Je sais pas pourquoi j'ai un truc. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris. Le Bigfoot, les bottes. Ouais. Tu le dis. Je vais me. Le prendre quoi? Le prendre James. Tu vas avec tes parents? Si on n'est pas assez. Pink. On n'est pas assez. On n'est pas assez. Comment c'est ça? On est ça. On n'est pas assez intime pour que je réponde à ce genre de questions. Pink. On n'est pas assez intime. Quand je dis intime, c'est intime dans l'amitié. Hein. Je parle pas de intime autrement. Hein. On n'est pas assez intime dans l'amitié pour que je réponde à ce genre de questions. Et à l'amitié, elle commence mal. Hein. Tu mets ma poule. Tu te fous limite de ma tronche parce que j'arrive pas à faire de kill. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil. T'es perdu mon con. Ah c'est chier. Ah parce que maintenant en plus ils franchissent un niveau là maintenant. Ils me disent t'es perdu mon con. Carrément mon con. Ah ouais là ils sont en forme là. Là je pense que là ils se sont fait passer le mot. Ils disent tiens on va aller sur le live. Ah mais c'est con, okay. Tout le monde mais. Là, à mon avis, tu vois, ils se sont tous fait passer. Moi, tiens, on va aller sur le live à l'autre vieux con, là, il sait pas jouer. Et voilà. Là, c'est. Voilà. Ils se sont fait passer le mot, là. Ils se sont fait passer le mot. Tu vois, c'est comme je dis souvent. Des fois, quand je vois les messages qu'ils me mettent, je me dis, mais il vaut mieux être à 2 ou à 3 ou à 1. Il met sereinement que d'en avoir sur toute ma journée et puis d'avoir des messages de la course en fait. Oh. De toute façon, si ça va trop loin, ils vont se prendre la bonne et puis c'est tout. Hein. Ils vont se prendre la bonne et puis c'est tout. Oh non, la bonne def. Non, pas de père, la bonne def. Si ça va trop loin, s'ils vont trop loin. Ici. Désolé, recommencera pas plus mon petit amour. Ah bon. Mon bébé d'amour. Ah ouais, là, ils sont amoureux de moi, là, carrément. Là, c'est carrément des cœurs, des machins. Ouais, et j'étais fan, hein, là. C'est des fans de. Tain, carrément. Hein. Je te jure. J'arrête mon sac de. Hein? Quoi? J'arrête mon jus de sucre? J'arrête mon sac de sucre. Il se sent. Piégale. Ah bon? Je t'aime, je suis une femme transgenre. Ça te dérange pas? Tu m'aimes quand même? Ça te dérange pas si je suis un homme. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi? D'accord, toi, monsieur, on est drôle, ton gros compliment. Ah, mais c'est le bordel, sur. Oh, c'est pas nouveau. Pas de lien. Mais on vous pique trop, là, j'aime pas que ça.
Oh, si c'est amusant. Du moment qu'ils aillent pas trop loin dans leur... Du moment qu'ils aillent pas trop loin dans leur connerie. Ouais, mais tu vois, les streamers comme nous, là. Oui, enfin, c'est... Oui, mais on est leur cible. Comme les Tommy, les Kotaga, les Squeezie, Loclair, tout ça. Ouais. Ils sont pas tous les trois dedans. Parce que, et dans ce slime, ils font des 30k, des 10 000 balles par mois. Et nous, on n'a rien. Du coup, bah, ils viennent troller sur son live. Ou le de l'école, falloir te voir un moment. C'est vraiment plus ça. C'est vraiment plus. Mais c'est vrai ce qui est plus, c'est pas. Ils sont même pas fichus leur daron qui viennent troller sur leur live. Sur leur live plutôt. On l'entend en robot ton pote là. Ah bon? Ah bah ta gueule. Un robot aussi. Tu l'as entendu là? Tu l'as entendu en robot là? C'est le pote que tu me dis qui l'entend en robot. C'est le robot, il peut être bon aussi. Hein. Il est modérateur sur ma chaîne. Si vraiment. Est-ce que. Autant vous dire, les gars, ou les mecs ou les filles, je sais pas ce que vous dites aux filles. Mais autant vous dire, si vous cherchez Alan ou Anto, soit l'un ou l'autre, leur patience est beaucoup moins. Leur patience est beaucoup moins. Beaucoup moins élevée que la mienne. Donc, si j'ai un conseil à vous dire, cherchez-les pas trop les deux. Et me cherchez pas de trop moi aussi. Oh, parce que ça... vos messages là, bon, pour l'instant j'ai un parce que ça vous fait rire, mais moi ça me fait pas spécialement marrer. Bon, j'ai un. Bon, là en gros, je peux avoir des séances, je pense. Faut pas non plus que ça aille trop loin. Parce que là, j'en ai fait 5 là. J'en ai fait 3 là. J'ai eu quelqu'un. Mais Pink Lady, comment t'es arrivé sur mon live, tiens? Je suis curieux. Je suis curieux. Au lieu de raconter des conneries, Pink, tu peux répondre à la question? Comment t'es tombé sur mon live? Juste comme ça, pas juste curieux. Et puis après les devoirs, après. Ah ouais, mais là, elle est en forme. Hein. J'ai mis live de noob et hop. Ah, parce qu'il y a des lives de noob sur Twitch. Ah. Parce que en plus on est parce que en plus on est catégorisé par notre niveau. Ça c'est quoi ça? Quoi? Là il y a un noob par exemple qui vient de se faire ban. Ah oui. Il y a d'autres des noobs qui veulent se faire ban, mais c'est pas un problème. Ah oui. Go. Ça va commencer à faire le ménage là un peu. Je vous avais prévenu hein. Et bon, vous m'écoutez pas. Et c'est pas une ferme, c'est pas un ban temporaire. Voilà, et encore, je vous ai prévenu, les gars. Faut pas s'emmerder. Je vous ai prévenu, hein. Et bon, vous m'écoutez pas. Oh, un petit su, non? Oh là là. Attends, je vais même marquer ça dans le chat. Non, le chat à Maurice. C'est la rue ici. Voilà. Eh, j'ai tenu. J'ai tenu 123. Ouais. Et je suis au niveau 127. Hey Maurice, tu devrais mettre Alan en modérateur aussi.
Bah je crois que je l'ai eu mon modérateur il me semble, non? Non je vis. Non il est en VIP. Il est pas en mode. Je t'aime mes Twitter. Oh, bah après les VIP ça sert à trop rien. Si ça évite les. Je pense que ça évite les pubs des fois, VIP. Après y'en a un qui m'avait dit que le fait de te mettre VIP t'es censé avoir moins de pubs. Censé avoir même pile. Moi j'ai mis gros parce que c'est un des premiers follow qui s'est follow, puis c'est lui qui vient plus souvent. Donc c'est pour ça, que j'ai mis VIP. Mmh. Après les VIP ça sert pas grand chose. Dessus encore. Là en VIP j'ai mis Genesis. C'est un bon. J'ai mis mon frère. Ouais. Jenny et puis Miri. Normal. Normal. Ouais, t'as notre qu'on pose souvent, après c'est normal. Les gens stream aussi. Ah, mais c'est normal. C'est normal. Après j'ai mis en tout le modo parce que j'ai pas trop de modo qui est là, à part KZ tout ça. Mmh. À part KZ c'est tout. Ah mais le pire... Non mais le pire c'est... sur mon stream maintenant. Ah bon. Allez hop, voyage voyage. Qui est pink. Ouais. Et je vais dégager l'autre quand même aussi. Là. Je crois, qu'elle a... je crois que Pink elle a pas compris, je crois. Je crois que... Et encore, je l'ai mis en garde, hein. Je lui dis, je cherche le parcours. Ça, que... ça vient faire les suceurs après, ouais, bonsoir. Ouais. Cherche pas toi. C'est bizarre parce que. Moi, c'est bizarre parce que ce semaine live, il va jamais. Ce semaine live. Oh, mais attends, t'inquiète pas, ils vont venir. Ouais, mais ça va venir, t'inquiète. Ouais, t'inquiète pas, ils vont venir. Ah, c'est pas pour moi, si ça vient sur le mien, c'est parce que. Parce que j'ai ban l'autre là, et puis voilà. T'inquiète pas. Ah, mais c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que. Et encore, je les ai prévenus, j'ai dit, mon gars, j'ai fait. Je cherchais pas trop en dos parce que. Je suis bien. C'est chiant quand ils écoutent pas, c'est chiant. Tu les préviens, tu leur dis, mais. Pire que des gros, ça. Tu te rends compte? Ouais, mais encore tu les préviens, mais. Je sais pas, il y a encore des personnes qui battent mon live, mais je sais pas qui c'est. En tout cas, les deux, là, ils ont été bonnes. Sur la zone parce que là c'est un peu trop loin.
Voyage, voyage. Ah, il est en hauteur. Hein. Ah, merde. Coucou, Nia. Bon, bah, c'est quoi ça? On se retrouve dans le ruisseau. Ouais. Bon, mais c'est bon, on va crever. Il faut pas s'en sortir, Maurice. Oh, je commence à me prendre. Allez, tire. Que si tu t'endors, il va falloir que je change la catégorie. Après. Je pense que. J'attends que je me ferai plus de vues à dormir qu'à jouer à Fortnite. C'est. Des fois, je me demande si. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ouais, ouais. Je trouve que moi, pendant un temps, je voyais souvent une fille. Bon, je sais pas si c'était une princesse, mais elle se couchait dans son, avec son, dans sur son lit. Puis elle mettait. Bah, après, quoi? Bah, y a déjà un type. Bah. Le premier clip que j'ai vu quand je m'endormais, c'était. Quand j'étais en live discussion, que le mec il parlait, puis il s'est coupé un. Puis je me suis endormi, puis là. Passé de la vie, puis il a fait un clip. Mais tu sais que. Ce qui est bien maintenant, c'est que quand tu bannes des guignols comme ça, tu sais, de la chaîne, ouais. Ils peuvent plus voir ton live. Maintenant, c'est comme ça. Non, apparemment, ils peuvent plus voir. Ils peuvent plus voir le live, ils peuvent plus rien faire. Je sais pas, quand je me fais ban. Quand je me fais ban, je peux encore voir le live. Bon, bah, filles, hein. Ouais, moi j'ai fait un peu de. Ouais, c'est moi j'ai arrêté. Moi, ce stream-là, j'ai coupé donc. Bah, j'ai aidé vous. J'ai gagné. En faisant le plus de combo. Comment ça, dans le dragon, machin de quoi. Ah, il est trop beau comme ça. Oh, hop, putain. Non, je vais me chercher un verre à boire. Est-ce que je suis. Oh, attends, il y en a un qui m'a mis un message. Pas un message, j'ai mis un. Alors, je sais pas ce que c'est que ça, mais je pourrais pas le savoir. Attends, c'est quoi? Moi, je sais mal les messages comme ça. Je sais pas ce que c'est. Oh là là! Oh là là! Quoi? Ah oui, mais attends, c'est des.
Ce genre de message. Une fois. Attends. Une fois. Ah, mais je l'ai ban, je l'ai ban. Non, non, je voulais voir, elle a dit quoi? Non, il Non, a c'est pas des dit. trucs. En fait, c'est des. En fait, moi, sur mon chat, je les vois avec des symboles bizarres, etc. Mais quand t'es sur Ah là, ton. mais Azboub. Oui, enfin, ça. Ah, Mais. et puis il y a Une aussi un autre truc en bas là, en dessous. fois, il y en a un. Une fois, il y en a un comme ça. Douche, non? J'étais sur son live, et puis, tu sais, il regardait son chat sur son téléphone. Puis, il me dit, mais qu'est-ce qu'il m'envoie comme. C'est quoi ce qu'il m'envoie? Et puis, moi, sur mon téléphone, sur mon PC portable, je le voyais, c'était un. Bah, sexe, quoi. Puis je lui dis, bah là, il te met des dessins de sexe, quoi. Et il me dit, mais je vois rien, je suis ouais, mais c'est normal, tu vois rien. C'est. En fait, tu le vois, en fait, tu vois ces dessins que si tu es sur le chat, sur un PC. Tu le vois pas sur le plongeur à toi. C'est des vidéos. Bref. Bon, attends, je vais me chercher un verre à boire, je vais mettre le titre. C'est. Ah, trop mal maintenu. C'est dommage d'être comme ça, mais bon, c'est. Voilà, quoi. Bah, Ouais, c'est des c'est débilos, dégueulasse. ça. Ouais, mais bon, bref. Bon, je reviens. Putain, t'as comme une Groot. route. Eh. En tout. Ouais. L'autre il m'a dit. L'autre qui l'a mis sur la route, il l'a mis une table. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il m'a Ça m'a dit? dit. Salut gros Gros sac sac à à la merde. merde. S'il te S'il plaît te plaît de de dire dire chez. chez. Bah ouais. Ouais. Bah voilà. Voilà. Eh Et bah bah le le chez. chez. Oh le ban. Et Et toi toi, ça ça te te plaît plaît le le ban? ban? Un Un sac sac à à merde merde qui qui se se fait fait ban. ban. Et Et voilà, voilà, et et voilà. voilà. Et voilà, et voilà. D'ailleurs, D'ailleurs, ce ce guignol, guignol, je je vais vais peut-être peut-être le le ban ban aussi aussi de de mon mon côté, côté, moi. moi. Bah alors. Personne ne passe. La cérémonie ne peut pas attendre. C'est pas la peine de me le dire deux fois. Un gros C'est notre chance oui. d'impressionner la voix. Toi, Toi, ce qui t'avait une table sur ton chat. Eh ben, il est venu sur mon live, je veux dire, là, gros sac à merde, ça te plaît de mettre des déchets. Puis en tout, il est. Du coup, je peux en tout, il est bon. Le pire, c'est que ces mecs-là, ils nous insultent, mais gratuitement, en plus. C'est vraiment de Du coup, l'insulte. moi, je dis, et toi, le ban, ça te plaît? C'est vraiment de l'insulte gratuite, hein, franchement. Et pourtant, et on fait chez personne, pourtant, on fait chez personne, on fait notre jeu. Non, mais quand je dis les Gotaga, les Jettoma, les nucléaires, tout ça, ils ont rien. Ouais, mais ils sont ça sortis de ces guignols. Parce que non, mais. leur tête, ils ont 20 mètres d'OVA, ils Non, gagnent mais 50 sans euros par mois. parler. Non, mais sans parler, Et c'est. du coup, voilà. Ah, mais sans Non, parler, mais c'est c'est. vrai, c'est. Oui, Sans d'accord. parler, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sans parler de ces mecs-là, sans Mais parler tu de. seras le but, le fou cul, là. Sans parler de ces mecs-là, Ah, mais t'es pas si. S'ils feraient. Des viewers, et puis. Et puis, un an par mois, là, par contre, il est trop loin, là, les Gotaga, tout ça. Ah, ça, par contre, là, ça y est, moi, là. Ah, la moyenne, elle a encore augmenté. Impeccable, ça. Pute. J'étais à 1,8 et là je suis à
1,86. C'est bien, ça augmente toujours un petit peu. C'est cool. Bon, à 96, comme tout à l'heure. Ouais, bah ça va se mettre. Ça va demain aussi, en tout. Hein? Il dit ouais, mais ça va se mettre seulement demain. Bah, des fois, faut attendre un peu, ouais. Bah tiens, j'ai encore un truc là. La cour ne peut tolérer cet échec. Bah, je suis à 51k sur Streamrunner. Ah bon? Quant à vous, Fermin, là n'est pas votre place. Ouais, maintenant c'est mort à ce temps-là. Y'a plus rien. Non, là, c'est mort. Non, c'est mort. La punition pour cette infamie. Oh, c'est Bangkok, là, c'est bien. Là, c'est Bagdad. Non, du coup, on met à modération. Vas-y. Il a assez l'air en compagnie, Jeanne. J'ai un nouveau truc dans modération, c'est beau. Non, le mettre en soi. Lorsque cette option est activée, les personnes bannies ne peuvent pas regarder vos streams en live. Ah ouais, c'est un truc qui est activé, ouais. Ouais, ouais, c'est un truc qu'il faut activer. C'est dans modération. Et après, vous allez. Vas-y. Attends, je vais regarder ça parce que je vais faire ça tout de suite de mon côté. Ouais, c'est important de le faire, ouais. Je me souvenais plus que c'était un truc activé. J'avais vu ça qu'on pouvait faire ça, mais. Alors, vous êtes dans. C'est pour ça que ça se faisait automatiquement, mais. Non, vous êtes dans modération. Attends, et après, vous descendez et vous verrez empêcher les personnes bannies de voir vos streams. Attends, modération. Attends. C'est où? C'est dans la gestion de stream, ça? Oui. Ouais, après tu vas dans modération. Modération. Et après, c'est quoi que t'as dit pour la. Et après vous descendez tout en bas. Tout en bas. Et vous verrez empêcher les personnes bannies de voir vos streams. Ah ouais. Ah d'accord. Bah, je vais le cocher. Attends, parce que je vois pas ça, moi. C'est donc quoi, parce que je suis dans modération. Attends. Et après, tu vas tout en bas. Oui. De toute façon, il y a marqué le truc, il y a marqué nouveau dessus. Ça, c'est un bon truc qu'ils ont ajouté Twitch, parce que ça, c'est. On l'avait pas ce truc-là avant. Ça, ça a été rajouté. Ça a été ajouté récemment, ça. Ah, moi, je l'ai parce que. Ce paramètre thématique, c'est. Je sais pas, je le vois pas, moi. Je vois non. Contrôle de auto mode. Je vois contrôle de auto mode, contrôle d'utilisation anticipée, option de discussion, privilège de SN. Je vois pas tout ça. Moi. Et c'est bien dans modération, tu m'as dit. Oui, c'est dans mais c'est tout en bas. C'est tout en bas. C'est vraiment tout en bas. Ouais, mais. Moi, ça me met aucune modération de la chat. Ne pourra pas. Bah, écoute, moi, je suis dans modération comme tu me dis, mais je vois pas. Je suis tout en bas. Demande annulation de bannissement. Du chat. Ah, bah, c'est juste en dessous de ça, là. Justement, le truc demande d'annulation de bannissement, bah, c'est bah, ce truc-là, il est juste en dessous. Il y a marqué nouveau à côté.
Ou alors si tu te déconnectes et tu te reconnectes, peut-être ça va se mettre, je sais pas, j'en sais rien. Bon, ça c'est cool. Je sais pas, je vois pas. Ouais. Là, ça... Vas-y, moi je vais quitter le groupe. À demain. À demain, bah, ouais. Demain du coup. Ouais, demain, pas bonne soirée. Merci. Non mais tu fais comment? C'est quoi? Attends mais tu fais comment? De quoi? Bah là dans... Je suis en train de passer un tube, c'est impossible. T'as des tubes de feu, t'as des tubes de... Quoi que tu fasses, de toute façon, t'es mort. Mais ça, je comprends pas, ça avance pas. Ah, voilà. Oh, attends, mais. Oh, c'est abusé, là. C'est abusé. Moi, bon, après, tu comprends mon live. C'est abusé. Allez, allez, avance, avance, avance.
la mission et puis après c'est bon. Il doit y avoir des centaines de cadavres ici. La manche de cette robe, ça pourrait sortir d'un musée. Elle doit avoir dans les 100 ans au moins. Entendre à nouveau. Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? C'est une longue histoire. Ces gens-là font pas dans la dentelle. Je vous expliquerai tout ça en rentrant. Bien reçu. À tout à l'heure. Bon, je vais voir ça, mais après j'arrête le live. Vous saviez que Bruce s'intéressait à la cour? Je l'ignorais. Il me cachait rarement des choses, mais celle-ci en faisait partie, je le crains. Pareil pour moi. On a pu identifier quelques voix de la cour, mais on comprend pas grand-chose. T'es sûr ou t'as oublié de mettre le son? Tim. Tu sais, t'as pas été le premier Robin, petit. Ni le deuxième. Il y a plusieurs fichiers corrompus. Je vais lancer un diagnostic et voir ce que je peux sauver. Voyons si Maître Bruce nous a laissé d'autres indices. Margie, la femme au tatouage, nous racontait des histoires sur la cour au Circali. Elle disait que les hiboux nous surveillaient et qu'ils nous enlèveraient si on s'entraînait mal. Il me semblait que c'était une légende de cirque. Pas du tout. La cour est mentionnée à de nombreuses reprises dans l'histoire de Gotham. Mais rien de concret. Je ne peux authentifier aucune de ces sources. Il paraît qu'une espèce de taré a écrit un livre à leur sujet. Mais c'est rien de plus qu'une légende, alors. Quelle tristesse. Un tel ouvrage aurait trouvé une place de choix dans la bibliothèque. La première version du vers de la cour date du 18e. On y raconte qu'elle cherche la fontaine de Jouvence. Ah, ils sont violents pour des gens qui veulent la vie éternelle. Les deux sont pas incompatibles. Bon. Il y avait beaucoup de cadavres dans cette fosse. Et il y avait ça sur l'un d'eux. Ça peut ouvrir un truc. Nos analyses montrent un isotope logé dans le métal. Il y a clairement une correspondance. C'est une clé. Donc, allons trouver cette porte. Bon, c'est plutôt je m'en étais là. Quatre heures de live. Ouais. On a peut tout de suite mettre en compagnie. L'activité des monsieur au fond de l'eau. Non, j'ai pas eu de fond aujourd'hui. J'ai eu du monde. Et c'est tout le monde qui est passé. Oui. Donc demain, c'est moi, c'est dans Grand Besoin de Carotte et Rocco Pani. Et il n'a pas été vu à Gotham depuis un moment. Le GCPD rappelle que le vigilantisme est un délit et que la police n'hésitera pas à attaquer, je cite, tous les justiciers sans autorisation s'ils sont pris sur le fait. Oh, je sais, t'as des secrets pour lui. T'as des secrets. Je préfère qu'il y ait des mains cool. Vache. C'est quoi le niveau de l'île? Le Forza, il est sorti déjà le Forza. Montrez-moi ça en direction B3.
Ouais, j'ai essayé, oui. J'ai pas quelques jours, t'as. Like, un dragon. Ishin qui sort. Cool. Merci, Beffroi. Malade, d'être bien. Ah, il est libre, c'est moi, je l'ai vu sur. Il est mis parce que moi je l'ai vu en. Un mec faire un SP dessus. Malade bien. Celui dont j'ai dans. Le store sur Rogue Pony. Rogue. C'est dans le store, hein. Ah, c'est bon. Ouais, c'était des charges. 70% de production. Ouais. Un petit prêt, j'y vais. Ah, du coup, c'est gros, j'ai réessayé, impossible de. Bah, il grise les plus, mais impossible de. Continuer l'histoire, c'est trop. Elle est sûrement bien dissimulée, n'oubliez pas le verre de la cour. La cour des hiboux voit. Entre les murs de Gotham. C'est littéralement ce que je cherche. Ils ont mis le jeu que j'ai fait, là, des vieux Mike Cray 5 là. Ils l'ont en réduction. Affaire US, c'est quoi ça? Menaçante et brillante. Quelque chose me dit que c'est la porte que je cherche. Ouais. Si quelqu'un vous voit, ils croiront que les fichiers ont été falsifiés. Dark Sider, c'était bien ça. Essayez de pas être vu. Tu connais tous les Dark Sider, moi? Ouais. Tout va bien. Vous pourrez réessayer un autre son. C'est comme ça que ça se passe à Gotham. C'est des bons looks là pour moi, mais ce chrome boutique, tout ça, j'aime pas trop moi. Truc. Et j'ai marre, moi j'ai tout ça en robot, tout ça. Ah, mafia. Elle est fou, j'ai payé moi la mafia. Megaman. Ah, c'était bien ça, Megaman. Ranger. Bon, gros, tu te dis demain du coup? Ouais, demain.
Ah bah là, faut pour brûler la Xbox, faut que je mette un wave, parce que si j'étais la progo, ça se mettra pas. Bon, la main, go. À demain. Je vais écouter plutôt que je vais arrêter parce que j'ai dit. J'ai dit qu'il commence à triper la partie en vie. Thank you.
Il n'y a pas ça. Ça fout les jetons ici. J'aime pas ça. Aucun signe de vie. Drôle de choix pour se cacher. Des idées quant à ce qui pouvait s'y dérouler. Je vais voir ce que je trouve. Moreno ? Je crois que je connais ce nom. Beffroi, on a un dossier ouvert au sujet du meurtre de Moreno. Vous pouvez chercher ? Bien sûr. Le frère d'Elena Moreno, une juge locale. Elle a pris un congé exceptionnel juste après pour raison familiale. C'était la cour des hiboux. Je vais essayer de trouver d'autres informations. Beffroi, on dirait que la cour a ordonné la purge du tunnel de Chelsea. La construction du tunnel a cessé quand le site a été déclaré dangereux. Drôle de coïncidence. La cour des hiboux doit sûrement y cacher quelque chose. Je me rends sur place. Prudence, et tenez-nous informés.
avez froid? Je suis dans le tunnel. Ils ont atteint une sorte de gouffre pendant les travaux. On va sûrement bientôt être coupé. Je reprends contact dès que je peux. D'accord, mais m'oblige pas à descendre te chercher. J'ai une musique qui commence à... Oui, on va dire là. Ouais. Mais ça s'est passé et puis... Oui.